impatient de retrouver la compétition, impatient aussi de retrouver nos supporters et notre stade. C'est vrai que on était sur deux victoires d'affilée, donc on va essayer, comme on dit, jamais 203. Ça pourrait être intéressant de pouvoir encore prendre des points à domicile et puis valider aussi le travail que l'on a fait, puisqu'on a fait 10 jours où on a remis un petit peu tout le monde à niveau, notamment par rapport à la préparation. Ça nous a permis aussi de travailler avec un groupe complet, parce qu'à part Lenny qui était en sélection, on n'avait pas beaucoup de sélectionnés. Donc ça a été très important de pouvoir aussi travailler dans une certaine cohérence et une certaine cohésion encore pour souder le groupe. On a travaillé énormément l'aspect tactique. On a mis en place pas mal de choses par rapport aussi au match de demain. Voilà, malgré tout, c'est un groupe oui, qui est au complet au niveau du recrutement. Et ça nous a permis, je pense que ça a permis aussi aux joueurs d'atténuer une certaine pression qui fait qu'on ne sait pas si on reste, si on ne reste pas, qui c'est qui va arriver, qui c'est qui va partir. Donc là, comme je leur ai dit à la fin du mercato, maintenant on va partir ensemble au moins jusqu'au mois de décembre. Et donc je pense que tout le monde est content de faire partie de cette aventure. On essaye de travailler de la façon la plus cohérente et la plus sereine possible en regardant beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, beaucoup de montage, beaucoup de travail en interne qui peuvent nous faire essayer de trouver les petits manques des équipes adverses et nous essayer d'appuyer sur ces manques. Mes attentes, c'est d'essayer de continuer à avancer, de continuer à proposer du jeu, de proposer aussi un bloc défensif intéressant, de proposer ce qu'on fait depuis le début de l'année tout en essayant de marquer et puis de gagner ces matchs et de prendre des points. Mes attentes, elles sont de rester dans une dynamique positive et aussi d'avancer au niveau football, c'est-à-dire de montrer encore plus de choses, de montrer que le travail qu'on met en place peut être intéressant et que, comme je vous disais, d'avoir une image et que quand les autres clubs viennent ici ou quand ils nous voient jouer, qu'on change tactiquement ou pas, il faut qu'on ait certaines valeurs et certains immuables que j'essaye de donner à mon équipe.